reborn. Chaos reborn. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour la partie 19 de ce que nous avons commencé sur les sorciers et les œuvres. Et spécialement dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les sorciers et les fake love, le roi de l'hypocrisie. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Les sorciers sont les rois de l'hypocrisie. Des gens les plus hypocrites de la planète. Même le diable même est hypocrite. Pourquoi pas eux? Donc ils vont bien faire leur boulot. C'est en ce moment-là, vous allez les retrouver autour de vous. En train de faire semblant comme s'ils vous aiment. Alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Fake love! Fake love! Ouais. C'est quoi un fake love? Qu'est-ce que c'est qu'un fake love? Toi, tu es sincère avec quelqu'un. Et tu penses que cette personne t'aime vraiment. Alors qu'au fond, là, c'est pas le cas. Amour mensonger. Amour mensonger. C'est du mensonge dans tous les sens possibles. Mais en ce moment-là, vous ne le savez pas. Quand un sorcier décide d'élever quelqu'un, c'est que dans le monde des ténèbres, ce qu'on a demandé de faire. En ce moment, cette personne va recevoir tous les honneurs. Tout. Cette personne même va se croire même être Dieu. Parce que la manière dont tout le monde parle d'elle, tout le monde dit son nom bien, vraiment ça l'intéresse, ça a dépassé le niveau tellement que cette personne maintenant se croit supérieure à tout. Voici ce qui se passe quand les sorciers décident d'élever quelqu'un des champs. Mais ça, c'est pour les faire tomber après. C'est pourquoi on vous dit toujours que les pactes avec le diable finissent toujours mal. Ouais. Au départ, vous êtes élevé. Tout ce que vous faites, ça réussit. On vous appelle dans toutes les radios. À la télévision, vous êtes là-bas. Quand vous faites des concerts, c'est rempli. Tout le monde vous soutient. C'est tout simplement parce que vous arrangez le diable. Quand vous arrangez le diable comme ça, là, il vous soutient. Il ne vous soutient pas parce que il a envie de vous soutenir. Il vous soutient parce que il s'est dit qu'il cherche, quelque chose en vous. Il cherche quelque chose sur vous. Tant qu'il n'a pas trouvé là, il faut qu'il vous fasse croire qu'il vous aime. En vous élevant comme ça. Mais quand le mois serait venu et qu'il aurait trouvé ce qu'il veut, c'est à ce moment où vous allez voir que c'était un fake love. Toutes ces acclamations, c'était du fou. Le diable a touché ses sorciers. Il les a placés autour de vous pour vous dire des mots d'élévation. Quand il vous voit, comment il vous appelle? Il vous appelle l'honorable. Il vous appelle le grand. Or, vous êtes moins âgé qu'eux. Mais eux vous appellent grand. Vous regardez autour de vous, vous dites, mais ah, vraiment. Là, la mère l'a fait la va loin. Là. Je pense que si tout le monde dit que je suis grand, c'est que je suis vraiment grand. Là, là, vous commencez à pousser des ailes. Vous commencez à pousser des ailes. Mais vous ne savez pas que il y a une organisation secrète des sorciers qui est en train de vous pousser à l'orgueil, à devenir très orgueilleux, juste parce que vous allez vous passer supérieur à tout, et à cause de tout ce que vous recevez comme information. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les gens qui vous donnent cette information d'amour, ce sont des sorciers, et ces gens-là sont des fake love.
faut sembler comme s'il vous aime pour vous voir tomber après. Ouais. Mais ils vont faire cela tellement bien que vous ne saurez pas que y a un tel problème comme ça derrière. C'est pourquoi ils les appellent les rois de l'hypocrisie. Ils ne t'aiment pas, hein? Mais ils marchent avec toi. Le sorcier ne t'aime pas, mais il marche avec toi. Ouais. Tout ce que tu dis, oh, il regarde ça comme ça. Il ne dit rien. Ou bien il dit des choses qui vont aller à ta faveur. Tu auras l'impression que vous vous ressemblez. Parce que tout ce que tu aimes, lui aussi fera semblant d'aimer la chose. Tout ce que tu fais, lui aussi fera semblant de faire la même chose. Pour que tu te retrouves en lui. Pour que tu te dises que, oh, voici une bonne personne, vraiment qui est comme moi. Quand tu mens, cette personne va te suivre dans un mensonge. Quand tu dis la vérité, elle va aussi te suivre dans ce que tu as dit. C'est comme ce qu'on appelle les bénis, Mais, en bas là, il y a un travail terrible que tu es en train de faire pour ta chute. Pour te faire tomber après. C'est pourquoi quand vous êtes acclamé par tout le monde, il est préférable de ne pas prendre le melon, sans pousser des ailes, de ne pas devenir orgueilleux. Parce que l'homme, il change à tout moment, à cause des esprits qui peuvent l'influencer. Il faut rester toujours posé dans sa tête, ne jamais lever ses comment on appelle ça là? Ses épaules. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il y a des gens qui sont sur la terre ici pour élever d'autres personnes. Mais au moment où l'heure serait venue et que le diable leur aurait donné l'ordre de vous détester, en ce moment-là, ils vont jouer un autre rôle maintenant. Voilà. Là, ils vont jouer un autre rôle. Parce que eux, ils se croient dans un film. Les sorciers se croient, hein, dans un film. Et dans ce film-là, ils ont des rôles. Ils peuvent faire semblant de vous aimer. Ça, c'est le rôle qui joue. Genre, aujourd'hui, ils jouent le rôle de vous aimer. Tout ce que vous faites, oh, ça les fait rire, ça les fait plaisir. Et ils vous le démontrent. Mais demain, là, quand le diable dit, écoute, écoutez. Ce gars ne nous arrange plus. Il faut qu'on le fasse tomber. Il faut que on le fasse tomber maintenant. Donc, je joue le rôle d'une personne qui déteste cette personne-là maintenant. Si vous allez à ce concert, n'allez plus à ce concert. C'est ce moment-là. Tous les sorciers, toute la communauté des sorciers qui se trouve là dans ce monde-là, ils vont commencer tous maintenant à vous boycotter. Ceux qui vous disaient hier que vous étiez le plus fort, ils vont vous dire aujourd'hui. Que vous n'êtes rien, que vous êtes sale et que vous êtes vilain. Tous les mots qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir vous déstabiliser là, c'est là maintenant que vous allez commencer à recevoir ces mots-là. Regardez même, et de même juste un exemple simple. Regardez, il y a un artiste que tout le monde a connu ici, il est décédé aujourd'hui malheureusement. On connaît Michael Jackson. Quand Michael Jackson avait du succès, tout le monde l'applaudissait. On l'applaudissait, tout le monde l'acclamait, on le levait parce qu'il faisait l'affaire du diable. Comme il faisait l'affaire du diable, tout le monde l'applaudissait, on l'acclamait. Mais le jour où les choses ont commencé à se compliquer entre lui et le démon, c'est ce jour-là que les gens ont commencé à se souvenir que lui, il a un problème avec les enfants. Genre comme si il était un pédophile, les gens voient, oh, c'est un pédophile, il fait comme ceci, quand les accusations par là, les accusations par-ci, toutes ces accusations commencent à sauter. Alors que hier, qui n'a pas aimé cette personne? Qui n'a pas aimé cet homme? Mais là, où est passé l'amour là? Où est passé l'amour? L'amour que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens qui peut-être vous suivent, les gens qui peut-être vous aiment, ou même que vous voyez peut-être chez vous à la maison autour de vous.
les gens qui vous aiment et tout ça. Vraiment, 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 ne regardez pas ça. Regardez seulement à l'amour que Dieu vous porte, parce que lui se aime vraiment. C'est vrai que sur la terre, il y a de bonnes personnes qui peuvent vous aimer. Mais l'amour vrai, là, vient de Dieu seul. Lui seul aime, même plus qu'une mère qui a mis son enfant au monde. Dans la sorcellerie, une mère qui a mis son enfant au monde peut le manger, c'est-à-dire le tuer, le consommer. Et puis, ça ne va pas quelque part. Elle n'a pas de remords. Mais Dieu, là, il est cool. C'est lui, quand il te lève, tu sais que vraiment il t'a élevé, que tu es bien assis. Mais le diable, quand il te lève, il va essayer des gens pour te faire semblant, te faire croire qu'il t'aime. Mais au fond, ce n'est pas le cas. C'est tout sauf le cas. C'est tout sauf le baka. Ouais. Ouais. C'est de la blague. Ceux qui te lèvent aujourd'hui, ceux qui parlent bien de toi, ce sont ceux qui te suivent demain. Vous n'avez pas remarqué ça. Souvent, les gens sont là et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gens qui m'aimaient aujourd'hui, qui m'aimaient hier, ce sont ceux aujourd'hui qui me suivent, qui me dénigrent, qui parlent du mal de moi. Si toi, tu as pris, tu as tiré tes énergies d'eux, c'est-à-dire que tu as tiré tes énergies en fonction de ce qu'ils te disaient comme de bonnes choses, les gars, celui, tu es un choco, tu es un dieu, tu es le futur président, tout ce qu'on te disait comme ça, si tu as tiré tes énergies, ça. Mon ami, il te dit en même temps. Tu as des problèmes en même temps. Il faut recommencer depuis le commencement parce que toutes les personnes te font croire qu'elles t'aiment là, n'étaient pas en réalité. Non. On dit le diable, c'est le méchant. Il ne peut pas t'aimer. Un sorcier ne peut pas t'aimer. Il va te voir. Il va te saluer comme ça. Et bonjour l'honorable. Bonjour, le bishop, le bishop, le président, le dieu. C'est pour ça que tu vois, ils vous appellent. Surtout quand vous avez l'argent et que vous pouvez leur donner l'argent. Quand vous voyez, ils vous appellent grand frère. Et le grand, et le baba tchè. Je vous appelle le baba tchè. Et le baba. Tous ces mots bizarres là. C'est de la blague. La nuit, quand ils se rencontrent, ils font des plans pour pouvoir vous tuer. Pour pouvoir vous voir mort. Mais le matin, quand vous les voyez, quand ils vous voient. Le papa tchè, le opa. Ce monde-là. Ceux qui sont intelligents vont lire la Bible et découvrir les secrets. Quand Dieu dit, n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans lui. Là, ils disent que, oh, Dieu, toi, tu parles beaucoup, tu parles trop, depuis là, tu parles trop. Jésus, mais tu as dit que tu venais, non? Oh, mais tu as oublié. Je suis sûr, c'est que les gens meurent à cause des sorciers. Il y a des gens qui ont tiré leur force et leur pouvoir hein, du public. Par exemple, les gens, les artistes, là. Il dit que lui, sa vie, ce sont ses fans. Ça, c'est bien. Parce que quand tu es une star de la musique, par exemple, tes fans t'aident à évoluer. Vous voyez, non? L'amour des fans compte en ce moment. Beaucoup. Donc, voilà. Tu suis un peu ça, tu les suis. Mais, faut pas oublier que c'est en ce moment où eux deviennent fans de toi. C'est toi qui deviens le patron. Et c'est toi qui dois poser les pieds sur les tables. Afin que tous puissent te suivre. Parce que si tu veux les suivre, aïe aïe aïe, c'est là que tu vas rencontrer les fake sorciers, les fake love, les sorciers qui vont te dire ça aujourd'hui. Par exemple, tu peux faire une chanson. La chanson là, c'est bien posé. Ils viennent tous, ils disent, hé, vraiment, c'est une belle chanson. Mais! Tu aurais dû faire comme la dernière fois là, l'autre où tu as mis beaucoup de fesses de femmes dedans. Maintenant, tu les écoutes. Tu dis que ah, c'est ce qu'ils aiment, ah, okay, ceux qui ont beaucoup de fesses dedans. Maintenant, tu fais une autre chanson, tu fais le clip, tu mets beaucoup de filles et beaucoup de fesses. Après, les mêmes qui t'ont demandé de mettre beaucoup de fesses dedans, ce sont les mêmes qui ont encore venu et ils vont te dire que toi là, tu es malade.
Mais ça va pas être net. Moi, j'ai dit que nous, on a été là pour gagner plein de gens. Pourquoi t'as mis autant de choses qu'on a écrit? Tu es de la merde ou quoi? À un moment donné, toi-même, tu es là, tu dis, mais. Je mets où vous le parlez. Quand je ne mets pas vous parler, je mets maintenant où vous parlez. Mais je suis qui alors? Mon ami, je suis qui, c'est ça. Quand les sorciers savent que vous les écoutez, que vous les suivez, vous écoutez leurs conseils, aïe, 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 c'est le problème. Aujourd'hui, on dit ça. Demain, on dit autre chose. Après, on dit ça. Après, on dit autre chose. Ils sont malades dans les têtes. Ça ne va pas dans les têtes. C'est pourquoi il faut suivre Dieu. Dieu, seul Dieu, hein, peut te guider par son Saint-Esprit et t'amener là où tu veux aller sans problème. Mais l'homme, avec ses défauts, qui quitte ici pour aller là-bas. Si tu veux le suivre et le goûter et marcher selon ses conseils, tu seras dans les problèmes. Même Dieu a dit, malheur à quiconque se confie à l'homme. Malheur à quiconque se confie à l'homme. Si tu te confies à un autre être humain, tu es dans les problèmes. Je conseille. Et c'est tout homme. C'est-à-dire moi, ton pasteur, ton grand-père, tout le monde. Parce que l'être humain n'est pas fiable. L'être humain n'est pas fiable. Même s'il n'est pas sorcier. Même s'il n'est pas sorcier, là, ça dépasse le niveau. Ou bien non. Voilà. C'est ce que j'appelle fake love. Fake love. Quand ils ont commencé à mal parler de Michael Jackson, un mois donné, même lui, il a commencé à pleurer. Il a commencé à maigrir. Parce que tout le monde est très de ceci, des traits de cela. Alors que c'était un secret bien gardé en eux. Il le savait au départ, mais il aimait. Il faisait semblant de l'aimer. Et il gardait ce secret-là pour pouvoir le vendre après. Pouvoir le vendre après. C'est comme ça qu'ils sont. Ils font semblant de vous aimer. Et ils s'approchent de vous. C'est ce que les sorciers font. Ils font semblant de vous aimer. Et ils s'approchent de vous. Vous allez vous dire que, oh, voici au moins des gens qui m'aiment. Oh, ils sont auprès de moi. Déjà, c'est pour écouter votre secret, savoir votre secret. Et vous faites tomber après d'une manière. Et quand vous leur posez la question, mais, ah, est-ce que ce que vous dites sur la personne, est-ce que c'est vrai? Parce que vous étiez proche à la personne quand même. Et là, ces personnes-là m'ont dit, oui, c'est vrai, parce que nous-mêmes, nous étions là à côté de cette personne. Nous, ce que nous sommes demandés de vous dire, là, écoutez-nous parce que c'est vrai. Là, les gens m'ont dit que, ah, c'est vrai que vous étiez le meilleur ami à la personne. Donc, on doit vous croire. Vous voyez? Maintenant, vous, quand vous allez recevoir toutes ces mauvaises informations, toutes ces mauvaises énergies, vous allez vous dire que, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez jamais avoir confiance en l'homme. C'est là, les gens, vous voyez certaines personnes qui décident de marcher seules, ne marchent plus avec quelqu'un encore. Les gens n'ont plus confiance à quelqu'un encore. Les gens ne veulent plus avoir affaire à quelqu'un. Même d'autres ne veulent plus même avoir affaire à leur famille. Parce que leur problème, leur plus grand problème est venu de leur famille. Ouais. Ouais. Même les gens dehors ne les ont pas maltraités comme ça. Comme ce qui s'est passé dans leur famille. C'est ce qui se passe que je suis en train de vous dire ici. Attachez-vous à Dieu, accrochez-le à vous, à lui. Et si Dieu, si les gens dehors vous aiment, prenez ça comme ça. Dites-le, oh merci parce que vous vous aimez. Et ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et avancez dans la vie. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Et priez chaque jour. Confiez-vous à Dieu. Priez, dites à Dieu ce que vous devez lui dire. Causez ensemble, faites tout ensemble. Mais l'homme, moi je ne vous envoie pas sur ce chemin-là. Parce qu'il y a des sorciers. Et ce sont les gens qui sont à la base de l'hypocrisie, le plus grand hypocrisie. Quand on dit love is wicked, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Love is wicked, love is wicked, love is wicked. Ça veut dire quoi? Jean, pour dire que l'amour est cruel. L'amour d'aujourd'hui, l'amour, quand on dit l'amour, c'est cruel. Deux personnes vont s'aimer aujourd'hui, demain, là, quand les deux vont se laisser. Aïe, 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 aïe. Quand vous allez poser les questions, mais ça va mais hey, qu'est-ce que tu penses de ton ex? Elle va dire, mon ex. C'est single. Alors que quand elle était avec lui,
Elle aimait bien. Même, elle caressait ses orteils. Maintenant, quand vous posez la question à l'homme, ah, c'est comment? Que penses-tu de ton ex? Qui? Mon ex, c'est celui-là. C'est une sorcière! Elle bouffe mon âge, c'est mon âge, c'est moi qui l'intéresse. Alors que ta mère disait que la femme a toujours besoin d'argent. Toutes les femmes ont toujours besoin d'argent. Femme a toujours besoin d'argent. Si il y a quelqu'un qui a beaucoup, si y a quelqu'un qui a plus besoin d'argent sur la terre, c'est la femme. Surtout que le problème pas ici, le problème pas là. Surtout quand il y a des choses fausses comme les faux cheveux, les faux cils, mon ami. Avant d'aller la toucher là, faut bien calculer d'abord ton argent. Après, il ne m'a pas dit, oh, ça, c'est là pour mon argent. C'est une gold digger. C'est une femme matérialiste. Mon ami, c'est ça. C'est quoi? C'est. Le monde est en train de se mettre. Elle dit, Gati. C'est Gati. C'est Gati. Pour trouver une femme aujourd'hui, il faut se lever à 4 heures du matin. Je dis, pour femme, hein. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Et ce que je vais vous dire, ce sont les choses que moi-même j'ai vécues. J'ai vécu. Au départ, on me levait. Et je me croyais vraiment supérieur à tout. L'orgueil avait pris un niveau. Ah, c'était bien. Mais aujourd'hui, quand je me retrouve là, et je vois toutes ces personnes qui me levaient en train de m'attaquer, je me dis, mais, hey, j'étais avec vous, mais faites croire que j'étais supérieur à tout et que vous m'aimiez. Maintenant, c'est vous qui m'attaquez. Eh bien, je suis choqué. Eh bien, je suis choqué. Je regarde l'affaire là comme ça jusqu'à lui dire, mais. Même si quelqu'un me dit qu'il m'aime, je lui dis, oh, merci beaucoup. Mais il ne veut pas prendre son compte. C'est l'amour de Dieu seul qui m'a intéressé. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Ouais. C'est pas blanc. C'est pas ta blague. Pourquoi j'ai pas dit ça, ça me dérange. Beaucoup même. Parce qu'il y a plein de personnes dans cette situation. On a vu Whitney Houston. Oh, Whitney Houston. La chanteuse Whitney Houston. Quand elle chantait bien. Ah! Tout le monde disait. Ouh, la fille, elle chantait. Elle vient d'où? Elle est de où? Elle est de quel pays? Tu es belle. Et puis tu chantes bien. Tu es jolie. Attends, viens vivre, ma soeur. Elle va te donner mon fils. Il va te marier. Mais le jour où les choses ont commencé à tourner mal, ils ont commencé à dire, oh, celle-là, je ne sais plus bien. Oh, celle-là, elle ne sait plus bien. Et pas plus de ça, elle se troque. Elle porte la troque. Oh, celle-là, c'est une sous-là, elle se la connaît. Elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Pour encore une star. DJ Arafat. Ah! Cette personne-là a fait le buzz jusqu'à. C'est pas possible. Elle se nourrissait des faiblesses des autres, ou bien, je sais même pas comment ça s'appelle. Genre, elle était là tout le temps en train de dire, oh, vous là, je vais vous. Je sais même pas quoi là. Comment, qu'est-ce que cette personne disait? Mais elle disait des choses, genre, pour amener ses collègues à travailler. Mais quand tu l'entends là, tu as l'impression que c'est comme si c'est la guerre. Quand tu l'entends, tu dis, pose la question, mais pourquoi tu te comportes ici avec tes camarades? Pourquoi c'est toi, tu en parles avec tout le monde? Il vous dit, oh, je fais comme ça pour qu'il se lève et qu'il commence à travailler. Il y a plein de personnes qui l'ont soutenu dans son buzz, dans sa manière de faire. Ce que pourrait lui donner des conseils pour dire, eh non, ne suis pas tes amis, respecte-les un peu. Oh. Ces personnes-là pourraient dire quelque chose. Mais. Ça n'allait pas quelque part. Ça n'allait pas quelque part. Ces personnes commençaient à avoir du succès. Ce conseil était rempli. Tout allait bien pour la personne. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on n'a rien compris. Les boycotts par-ci, les boycotts par-là. Lui-même, il allait et dit, mais, ah, moi, quand je fais du bien aux gens, quand je fais des dons et tout ça, vous n'en parlez pas. Mais quand je fais de mauvaises choses, c'est de ça que vous parlez.
les boycotts. Les gens ont commencé à parler, mais sur les réseaux sociaux, ils disent, oh, ta musique, ça vaut rien, maintenant, ça vaut rien, on est fatigué, tu as pris nos oreilles, hein, de casserole, assiette, mamie. Lui-même, son doute, il était là, il se disait, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et les choses ont commencé à tourner mal. Et le jour où cette personne est décédée suite à un accident, c'est là les mêmes personnes qui l'insultaient, qui disaient des trucs bizarres. Ces mêmes personnes reviennent avec l'hypocrisie maximale en disant on t'aimait, mon fils est semblant, nos clashs étaient arrangés, oh. C'était des clashs arrangés. Mon frère ne meurt pas, hein. Je dis ne meurt pas. Vous ne pouvez pas faire semblant de mourir. Parce que les jeunes ne savent pas déjà. Je te dis, les jeunes ne t'aiment pas déjà. Je te dis en même temps. Les jeunes ne t'aiment pas déjà. C'est ça la réalité de cette vie. Quand je vous parle de ça, ça me choque. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont tiré leur énergie de leurs fans et qui les ont suivis. Alors qu'il y avait des sorciers. Quand vous parlez d'un live, ceux qui viennent dans le live, est-ce que toutes les personnes vous aiment? Toutes ces personnes ne vous aiment pas. Tout le monde n'est pas vous aimer. Mais ces personnes sont quand même là. Souvent vous dites, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Quittez là! Quittez ici! Quittez dans mon live! Qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez pas ce qu'elle fait. Vous cherchez quoi ici? Pourquoi vous voulez mettre des commentaires bizarres? Ils ne peuvent pas partir, vous avez dit tout ce que vous avez envie de dire. Mais ils ne vont pas partir. Parce qu'ils doivent être là. Ils doivent être là pour faire quoi? La sorcellerie. Parce qu'ils aiment bien ça. C'est ça la vie d'aujourd'hui. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. C'est quoi, c'est ce qui se passe. L'homme n'est pas l'homme. Mais il fait semblant d'aimer l'homme. Aimez Dieu. Et écoutez ses conseils. Que votre ami là, ce soit la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu soit seul, soit votre conseiller. C'est vous ceux que vous aimez. C'est vous ceux là que vous aimez. Est-ce que tu veux mourir? Quand tu mets ton doigt dans le feu et ça brûle là, tu enlèves ton doigt, non? Pourquoi? C'est parce que tu t'aimes. C'est ton ami avec ton amour là. C'est vrai. S'il y a des gens qui t'aiment sur la terre, oh, faut dire. Alléluia, vous dites gloire à Dieu. Amdoulilah, comment on dit ça? Amdoulilah, non? Ah! Mais vraiment, ne vous fiez plus aux apparences. Parce que les apparences sont toujours trompeuses. Faites attention à vous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez compris, laissez un j'aime pour m'informer. Si vous avez quelque chose à dire, réagissez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce point. La fake love. Les fake lovers. Souvent, on les appelle comment? On les appelle les haters. Les haters. Les haineux. Les rageux. Tellement, il y en a plein dans le pays, là. Il y en a plein dans le monde. Ouais. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, abonnez-vous à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.